إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui on va rentrer في سورة التوبة. سورة التوبة qui est le repentir. سورة le repentir et qui s'appelle aussi le désaveu, qui s'appelle également le désaveu البراء. Donc cette sourate, elle a deux noms. Et le nom bien sûr le plus connu, c'est sourate At-Tawbah, et comme cela est désigné, fi al-mushaf. Sourate At-Tawbah, At-Tawbah. Lorsqu'on parle bien sûr de Tawbah, c'est le repentir. Qu'est-ce que le repentir au niveau de l'islam? Le repentir par rapport à la religion, par rapport aux croyants, est quelque chose de très important. Parce que l'homme ne cesse de faire des péchés. L'homme ne cesse de faire des péchés. Et ce qui lui efface les péchés, ou parmi ceux qui lui effacent les péchés, at-tawbah, c'est-à-dire le repentir. On avait déjà vu dans les cours qu'on avait donné dans l'explication de la recommandation mineure, al-wasiyat al-sughra, le cheikh al-islam ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'était at-tawbah? Qu'est-ce que voulait dire at-tawbah, la définition du repentir au niveau religieux? On avait repris une parole de Ibn al-Qayyim fi Madarij as-Salikin. Kana yaqul rahimahullah fa haqiqatu at-tawba hiya an-nadamu ala ma salafa minhu fil madi fi al-madi wal iqla'u anhu fil hal fi al-hal wal 'azmu ala an la yu'awidahu fil mustaqbal fi al-mustaqbal. On avait vu donc que le repentir est en relation avec les trois temps, que ce soit le passé, que ce soit le présent et que ce soit le futur. Comment cela? Le Cheikh nous dit que le repentir, le véritable repentir, le repentir comme on le comprend au niveau religieux, en sa réalité, c'est le regret de ce qui a précédé, c'est-à-dire de ce qu'on a fait comme péché. C'est donc un regret dans un temps passé. Donc le péché qui a été fait dans le passé, on doit le regretter. Donc on voit que c'est en relation avec le temps passé. Yannadamu ala ma salafa minu. C'est-à-dire qu'on doit regretter ce qui a passé. On doit le regretter, sincèrement, avec sincérité. Fil marbi. Ensuite il dit wal iqla'u anhu fil hal. C'est-à-dire se débarrasser de ses péchés ou délaisser les péchés dans le temps présent. Il dit fil hal, donc qui est le temps présent, actuellement. Ça c'est le deuxième temps qui est pris en compte pour le repentir. Et le troisième temps, yaqul ash-shir wal azm an la yu'awidahu fil mustaqbal, et la détermination à ne plus y revenir dans un temps futur. Dans un temps futur, c'est-à-dire ne plus être déterminé, avoir une détermination à ne plus revenir à l'accomplissement de ce péché ou des péchés. Ça c'est la définition de At-Tawbah. Et donc on revoit également les trois conditions, c'est-à-dire le regret, ça c'est en relation avec le temps passé, délaisser ce péché, c'est en relation avec le temps présent, et la troisième, être déterminé, être sincère dans sa volonté à ne plus y revenir. Et ça, c'est dans le temps futur. Et bien sûr, il y a encore une autre condition, si le péché est en relation avec une personne, c'est-à-dire dans le cas où on a pris le droit d'une personne, alors on doit remettre ce droit à cette personne-là. Et bien entendu, à Tawbah, il y a deux sortes de Tawbah, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de repentir. Un repentir qui est dit général, Tawbatun Amma, et un repentir qui est dit particulier. C'est-à-dire « Tawbatun khassa ».
Celle qui est âme, c'est ce qu'on appelle Tawbatun Nasuh, comme a dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Ça, c'est le repentir qui est dit général. Pourquoi? C'est en fait revenir à Allah Azza wa Jal et se repentir de tous ses péchés, de tous les péchés. Et donc avoir la détermination de délaisser tous les péchés, tels qu'ils soient, quels qu'ils soient. Par contre, la deuxième tawba, c'est ce qu'on appelle donc tawbatun khassa, c'est-à-dire un repentir qui va être particulier et qui va expier certains péchés, sans d'autres. C'est-à-dire qu'une personne, peut-être qu'elle va faire un repentir par rapport à certains péchés, elle ne va pas faire un repentir qui est général. Donc ce repentir, il est accepté, inshallah ou ta'ala, si les conditions sont remplies, mais par rapport à quoi? Par rapport à ce péché. Et bien sûr, pas à tous les péchés. Pour tous les autres péchés soient pardonnés, et qu'Allah Azzawajal accepte le repentir, donc un repentir général, c'est donc qu'il faut qu'il ait une intention de se repentir de tous ses péchés. Et pas simplement l'un ou l'autre, sans les autres. Hadi Tawba. Hadi Tawba. Et cette sourate, elle s'appelle Surat Tawba. Le Cheikh Hafizahullah Ta'ala, Cheikh Abdel Mohsin, a choisi donc dans ce livre, Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, d'interpréter ou d'expliquer le verset 100, le centième verset. Aw Arfwan Nam, ça c'était bien sûr le premier verset qu'on a vu, on l'a vu dans le cours précédent Nam. Donc aujourd'hui, on est au deuxième verset choisi, deuxième passage choisi de Surat At-Tawba, et c'est en fait le verset 111. Le verset 111. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Donc c'est le verset 111 de Surat le repentir, Tawba. Allah Azza wa Jal يقول, et donc le sens de ce verset, certes Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est le plus fidèle d'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان فضل الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال وأن جزاءه عظيم عند الله عز وجل سواء قتل المجاهد في سبيل الله أو قتل غيره من الكفار وفي هذه الآية قدمت الأنفس الأنفس على الأموال ولم تتقدم في موضوع آخر في القرآن. طيب. Le Cheikh nous dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal met en évidence, comme dans beaucoup d'autres versets également du Coran, فضل الجهاد, le mérite de la guerre sainte, de la guerre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. بالأنفس والأموال, que ce soit avec les âmes et que ce soit avec les biens. Que ce soit avec les âmes et que ce soit avec les biens. Et il nous dit le Cheikh que la récompense de ce djihad est énorme. Arvim est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que, donc il advient deux cas pour ce qui est du mujahid, de celui qui combat dans le sentier d'Allah. Ou il tue, ou il se fait tuer. Ou s'il se fait tuer, sa récompense, kama fil aya al-jannah. Et également, une grande récompense s'il tue d'autres, et ainsi s'il tue des personnes parmi ceux qui le combattent, parmi les mécréants. Ensuite, le Cheikh nous dit que dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal
a mis ou a placé en premier, c'est-à-dire a mis au devant, al-anfus. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Donc il a dit Allah azawajal anfusahum en premier et ensuite wa amwalahum. Alors que le shir nous dit que dans tous les versets du Coran, et ça c'est le seul passage en fait, où lorsqu'Allah azawajal parle du djihad, il met en avant al-anfus, c'est-à-dire les âmes. Le dernier qu'on dit mais sur les âmes, c'est la propre personne du croyant, parce qu'il combat de son corps, de son âme. Et donc c'est le seul verset, lorsque Allah parle du djihad, et qu'il parle bien sûr des deux sortes de djihad, donc on voit ici qu'il va avoir deux catégories sous cet aspect-là, et qui est bien sûr par la propre personne, par l'âme, et par bien sûr les biens. Et il y a un troisième également qu'il va citer, le shir, et qui est également bil lisan, c'est-à-dire par la langue également, qui rentre dans les catégories du djihad. Et il nous dit que dans tous les autres versets, c'est d'abord al-amwal, c'est-à-dire les biens qui sont mis en devant, au devant. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal cite d'abord les biens et ensuite il cite al-anfus, c'est-à-dire l'âme ou les âmes. Et il nous dit le shir, le fait que dans tous les versets du Coran, sauf dans ce verset, Allah Azzawajal met en évidence ou met Arfwan au devant al-amwal, ça prouve son importance. Wa wa yadullu ala ahammiyati al-jihad bil amwal li anna fi dhalika al-infaq ala al-mujahidin tawfirun al-itad was-silah wa ghayru dhalik mimma yuhtaju ilayhi fi al-jihad. Pourquoi? Parce que lorsque la personne donne de ses biens pour ceux qui combattent dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, il va revenir un grand bien à cela, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donner à ceux qui combattent ce qu'ils ont besoin par rapport aux armes et autres, tout ce qu'ils ont besoin pour le djihad. Donc ça aussi c'est très très important au niveau du djinn, au niveau de l'islam, comme le shir nous le rappelle en nous rappelant les autres versets qui donc mettent en avant al-amwal, al-anfus. Et donc il nous dit également que le djihad bil-lisan, qu'au le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, qui est rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah bisnadin sahih, avec une chaîne qui est authentique, une chaîne de transmission authentique. Yaqul an-nabi sallallahu wa sallam alayhi jahidu al-mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa al-sinatikum. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit combattez les polythéistes, jahidu al-mushrikin, combattez les polythéistes bi amwalikum. Donc on voit également que le prophète ici met dans un premier temps, qu'est-ce qu'il cite? Les biens, par vos biens, bi amwalikum. Ensuite, wa anfusikum, par vos propres personnes, c'est-à-dire par vos âmes, wa al-sinatikum. Et ensuite, le troisième donc, et c'est là, al-shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif, wa al-sinatikum, et par vos langues. Et par vos langues également, âme, par la langue. Radd al-batil, réfuter tout ce qui est faux, et tout ce qui vient des polythéistes par rapport à leur polythéisme, et tout ce qui vient des mécréants par rapport à leur mécréance, le faire par la langue. Réfuter ce qu'ils disent par la langue, éprouver la véracité de la religion et mettre en évidence leur faux, al-batil, tout ce qu'ils ont de faux, ça aussi ça fait partie du djihad, fi sabilillah. Il nous dit également que le djihad, il est soit la propre personne, mais également yakun bil qalbi wa niyya, c'est-à-dire il est également par le cœur et par l'intention. Li qawli sallallahu alayhi wa sallam, inna bil madinati aqwaman ma sirtu masiran. وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالْ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمَ الْعُذْرِ رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجَرِ. Donc il nous dit également que le djihad il est par le cœur et par l'intention, le djihad également. Et la preuve de cela c'est le hadith qui est donc rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons qu'il y a des gens qui sont restés à Médine et qu'ils se sont déplacés avec eux sur toutes les distances, c'est-à-dire sur les distances sur lesquelles ils se sont déplacés. Masirtu masiran, wala qatartu wadiyan, c'est-à-dire que vous n'avez pas traversé une plaine sans qu'il était avec vous. Alors à ce moment-là, ils ont demandé les compagnons prophètes, wahum bil Médine,
C'est-à-dire, ils sont à Médine. Il dit le prophète, Naam, ils sont à Médine. Wahum bil Médine. Habasahum al-Udr. C'est-à-dire qu'une excuse, une cause valable qu'ils avaient, les a empêchés de venir avec vous. Mais ils étaient avec vous de par leur intention et de par leur cœur. Donc Allah Azzawajal, il va les associer fil ajr, dans la récompense. Et la preuve de cela, c'est l'autre version qui est rapportée par l'imam Muslim et qui dit Illa sharakukum fil ajr. C'est-à-dire sans qu'il ne soit associé avec vous dans la récompense. Subhanallah. Hadha min fadlillah azawajal alayna. Ça se fait partie des bienfaits, des faveurs d'Allah azawajal sur cette communauté, sur les musulmans. Et le shir nous dit que tout, en rapportant une parole de Ibn Kathir, que tout le bien en fait, que toute la faveur et que tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est lui qui nous a donné notre propre personne, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a donné nos biens. Ça vient d'Allah azawajal, personne d'autre. Et donc, si l'on donne ce qu'Allah azawajal nous a donné, il nous donne comme récompense le Jannah, de faveur, faveur après faveur. Subhanahu wa ta'ala. Faveur après faveur. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Donc c'est un échange. Ici le terme bi bai'ikum, échange, et bien sûr, lorsqu'on dit bay', c'est le commerce. Et c'est dans le commerce également l'échange, le troc. Et c'est ici le love, c'est-à-dire le terme qui est employé par Allah Azza wa Jalla. Fastabshiru bi bai'ikum. Bibay'ikum, alladhi bay'tum bi, wa dhalika wal fawz al 'azim. Et c'est là le très grand succès. Et il nous dit le shir que cette promesse, car c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla, wa'd min Allah Azza wa Jalla. Elle est présente dans le Coran, mais elle a été présente également dans les livres qu'ils ont précédés. Et Allah Azza wa Jalla, il nous a cité dans ce verset deux autres livres dans lesquels cela est cité. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui est nouvelle. Al-jihad ou fi sabilillah et sa récompense, ce n'est pas une chose qui est nouvelle par rapport à l'islam. C'est une chose qui était présente également dans l'évangile, qui est présente dans l'évangile et qui est également présente, qui est présent également dans la Torah, comme ce verset nous l'indique. Comme ce verset nous l'indique. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa'dan alayhi haqqan fi al-tawrati wal-injili wal-qur'an. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. L'évangile et la Torah comprennent également cette promesse d'Allah Azza wa Jal qui est faite aux croyants, ceux qui combattent de par leur personne et leur bien, et qu'Allah Azza wa Jal leur donnera en échange le paradis. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite donc le shir, il dit, donc en revenant au livre, donc on a deux livres qui sont cités ici en plus du Coran, donc l'Injil ou la Torah. Donc il nous dit que dans le Coran, et ça fait pas, bien sûr, ça rentre dans l'Iman bi Al-Kutub, c'est-à-dire la foi au livre d'Allah Azzawajal. Ça fait partie des bases de la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Croire au livre comme il se doit et comme on l'a déjà expliqué de manière détaillée dans les cours de l'explication du livre Alam Sunnatin Manshura. Et bien sûr, on avait vu que dans le Coran, il y a cinq livres qui sont cités. Il y a donc At-Tawrah, Wal-Injil, comme c'est dans ce verset, et également Zabur, comme a fi qawlillah Azzawajal, wa atayna Dawuda Zabura. Et nous avons donné donc à Daoud le Zabour, Zaboura, le Zabour, qui est donc le livre de Daoud. Et également Suhuf Ibrahim wa Moussa, c'est-à-dire bien sûr les feuillets d'Ibrahim et Moussa. Donc ça en fait au total 5. C'est ce qui est cité dans le Coran. Et les autres, ça rentre bien sûr fil iman al-mufassal. On doit croire en ces 5 livres parce qu'ils ont été cités de manière détaillée dans le Coran. Il y a d'autres livres, beaucoup d'autres livres qui n'ont pas été cités. Wa hadha yadkhul fil iman al-mujmal, c'est-à-dire la croyance détaillée, la première donc la croyance détaillée, et la deuxième ou la foi détaillée, et là donc la deuxième qui est la foi bien sûr mujmal, qui est la foi globale, qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre beaucoup de livres et qu'ils sont sa parole subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr dans un autre verset, c'est-à-dire le passage après, le shir il va revenir également sur el jihad et il va rapporter une parole de Ibn Kathir par rapport au verset ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin kama fi surat, donc surat bien sûr Tawba, et qui est le verset 123, où Allah azza wa jal, donc le sens de ce verset, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous,
qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et bien sûr, le chien rapportant une parole de Ibn Kathir, qui lui-même rapporte une parole de Ibn Abbas, il dit en fait que l'on doit combattre ceux qui sont les plus proches et ensuite les plus proches. Yani al-aqrab, fal-aqrab. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que va nous raconter Ibn Kathir, c'est-à-dire que Ibn Kathir, dans un long passage, il explique comment le djihad, il est parti, c'est-à-dire d'après le prophète, sallam, il a commencé avec le prophète, et on sait bien sûr la première grande guerre qu'il y a eu, et qui est Ghazwatu Badr, la conquête qu'il y a eu lors de Badr. Et ensuite, bien sûr, le prophète, sallam, durant toute sa vie, il a continué le djihad, fi sabilillah, la guerre sainte, comme cela est connu dans sa sirah. Et également, après cela, donc il a commencé bi Jazirat al-Arab, c'est-à-dire par les péninsules arabiques, il a commencé par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu ensuite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sous bien sûr les califes bien guidés, il y a eu l'expansion des conquêtes musulmanes dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc ils ont commencé par le plus proche, c'est-à-dire Jazirat al-Arab et les pays qui étaient autour d'eux. Bien sûr, Mecca, ensuite Medina, Taif, Yémen, Yamama, Khaybar, Hadramout, etc. C'est-à-dire toutes les contrées de Jazirat al-Arab. Et ensuite, bien sûr, après que tous les Arabes soient rentrés dans l'islam, à Fouadja, c'est-à-dire par groupe, les musulmans ont continué les conquêtes. Et même après, bien sûr, les califes bien guidés, sous bien sûr le règne également des rois, il y a eu, les conquêtes ont continué. Jusqu'à que, bien sûr, il y a eu la régression de l'islam, et ce, bien sûr, à cause des musulmans eux-mêmes, lorsqu'ils ont délaissé leur religion. Lorsqu'ils sont écartés de leur religion, lorsqu'ils sont écartés de leur croyance, il s'est passé ce qui s'est passé et ça a été bien sûr l'inverse. Ayadan billah. Comme on incite tout le temps et comme c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que vous reviendrez à votre religion. C'est-à-dire que elle reviendra à vous lorsque vous reviendrez à votre religion, à la vraie voie, la voie des salafs, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs. Comme l'islam, elle était pratiquée et comme elle était comprise suivant les premières générations et qui sont les meilleures générations. Et c'est pour ça que dans le verset, et c'est le verset qui se trouve, Fisurat Ra'd, Fisurat le tonnerre, et qui est le verset 41. Fisurat Ra'd, le tonnerre, et qui est le verset 41, يقول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. Ne voit-il pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons de tous côtés. Donc Ibn Kathir rapporte le tafsir de Ibn Abbas, qui est le suivant, qui est la parole suivante de Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, « Awalam yaraw anna naftahu li Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-ard ba'd al-ard. » C'est-à-dire, ne voit-il pas, bien sûr les polythélistes, les mécréants, ne voit-il pas que l'on ouvre pour Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donc les conquêtes, la terre après terre, il y a mis terre après terre, contrée après contrée. Contrée après contrée. Donc ça, c'est l'explication d'Ibn Abbas pour ce qui est de ce verset, Surat al-Ra'd, qui est le verset 41. Et bien sûr, Ibn Kathir a rapporté d'autres paroles par rapport à l'explication et l'interprétation de ce verset, et ensuite il voit que le port des paroles, c'est celle-là. فَيَقُولُ وَالْقُولُ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَهُوَ ظُهُورَ الْإِسْلَامُ عَلَى الشِّرْكِ قَرِيَةً بَعْدَ قَرِيَةً. C'est-à-dire la première parole, celle qu'il avait citée par rapport à Ibn Abbas, c'est la plus forte. Et c'est, bien sûr, Zuhur et l'islam, la domination de l'islam sur le polythéisme, sur le shirk. Donc le monothéisme sur le shirk, qariyatan ba'da qariya, c'est-à-dire village, ville après ville, contrée après contrée, terre après terre. Voilà chaque an al-jihad, la ufadlun azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'était le point culminant de l'islam. Dhurwatu al-islam, dhurwatu hadha ad-din, c'est-à-dire le point culminant de cette religion. Et bien sûr, le djihad, comme cela est expliqué par les savants de la sunna et du consensus, il revient à des règles bien précises, des règles que l'on doit suivre pour que l'on accomplisse ce qu'on appelle al-djihad ou fi sabilillah. Et ce n'est pas, bien sûr, toute chose qui est faite au nom du djihad qui est un djihad. Ça, c'est une chose qui est connue, qui est répandue dans les livres des savants. Lorsqu'on regarde leurs livres, parmi les gens, les savants des salafs et ceux qui sont venus après, ceux qui ont suivi cette voie, ils nous expliquent et ils nous donnent les règles. Et bien sûr, ça prendrait beaucoup plus de temps de rentrer dans ce sujet. Qui sont les règles? Qu'est-ce que le djihad fi sabilillah? Quelles sont les règles pour que le djihad devienne véritablement un djihad? C'est-à-dire, pas non seulement par son nom, mais par sa réalité. Ensuite, le shir, il passe au verset suivant, et qui est surat at-tawbah, et qui est le verset 119.
Le verset ensuite 119. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Craignez Allah عز وجل. Et on a vu plusieurs fois, à maintes reprises, qu'est-ce qu'était la taqwa. Qu'est-ce que veut dire la taqwa? وكونوا مع الصادقين. Et soyez avec les sincères. مع الصادقين, avec les sincères. Par rapport à ce verset, le shir, il va bien sûr rappeler, birtisar, en résumé, une histoire qui est arrivée du temps du prophète sallam avec des compagnons. Une histoire où il y a en fait beaucoup de fawaïd et beaucoup en fait de leçons à en tirer. C'est bien sûr lorsque les trois compagnons, takhallafu an al jihad fi sabilillah ma'ar rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont délaissé le jihad fi sabilillah et qu'ils ne sont pas partis au jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, takhallafu. Et bien sûr, cette histoire, elle est rapportée dans l'authentique de Al-Bukhari et de Muslim. Et on va en fait la citer, Birtisar. Et également, on va voir à travers cette histoire, qu'est-ce que Ma'na Tawba, comment les gens, comment les compagnons, ils ont pris conscience de la Tawba. Donc on va voir la Tawba. On va voir également l'importance du djihad. Donc tout revient au cours qu'on en a dit. L'importance du djihad et également ici, As-Sidq, c'est-à-dire la sincérité dans l'islam. Par rapport au verset d'Allah Azzawajal, « وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » et « Soyez avec les sincères ». Cette histoire, c'est l'auteur lui-même qui nous la raconte, son auteur qui nous la raconte. Et c'est bien sûr Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala an, « وَالَّذِي يُحَدِّثْ ». Il nous dit en fait que le prophète sallam était parti pour Ghazwat al-Tabuk. Donc il était parti pour Tabuk. Ghazwatu Tabouk, c'est-à-dire qu'il était donc parti pour faire ce djihad. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ka'b ibn Malik, comme il nous l'explique, il avait un peu de temps devant lui et il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller jusqu'à que le prophète sallam et les compagnons ont commencé à partir. Et il s'est dit en lui-même, j'ai le temps, je pourrai en fait les rejoindre plus tard. Et il a attendu un jour sans rien préparer, deux jours, et bien sûr après il arrivait ce qu'il arrivait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus faire retour, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus en fait repartir et ne pouvait pas faire retour sur ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rejoindre le prophète sallam, il n'avait plus la capacité de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que Ka'b n'a jamais raté, comme il nous l'explique durant cette parole ou durant son histoire, il n'a jamais raté un djihad fi sabilillah, sauf le djihad à Badr. Mais bien sûr Badr qui était un djihad, comment dire, un peu spécial, dans le sens où, lorsque le prophète sallam est sorti, ce n'était pas pour combattre, comme vous le savez, comme vous connaissez d'après la sirah. Et donc à partir de là, il n'a pas reproché à ceux qui n'étaient pas sortis avec lui, avec le prophète sallam, et lui, il faisait partie de ceux qui n'étaient pas sortis, Ka'b ibn Malik. Mais par rapport à cela, il n'y avait pas de reproche. Et c'est la seule, en fait, avec Tabouk, sont donc les deux djihads qu'il a délaissés. Ou qu'il n'a pas accompli, Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala an. Et donc, il ne peut rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de la bataille. Wallah al-musta'an. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va mentir? C'est-à-dire qu'il ne va pas dire la vérité? Il va lui dire qu'il a eu une excuse? Comme on va le voir, l'ont fait plusieurs personnes? Ou est-ce que il va raconter la vérité et qu'il n'a aucune excuse? Il n'a pas le choix, soit cela, soit cela. Sachant que du temps de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé, lorsqu'il arrivait à Tabouk, il a demandé où était Ka'b ibn Malik, c'est-à-dire il a interrogé, il a posé la question, où est Ka'b ibn Malik? Et à ce moment-là, une personne a dit, c'est-à-dire c'était une personne de Bani Salama, il a dit, Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi itfihi. C'est-à-dire, i'ajab al-naf, c'est-à-dire que ce qui l'a empêché de venir, c'est tout simplement qu'il a, comment dire, qu'il aime sa propre personne, nafsu yajibu, c'est-à-dire que sa propre personne, elle a dit cela, c'est bien sûr pour faire du tort à Ka'b, c'est-à-dire qu'il va rapporter un défaut de lui. Et à ce moment-là, Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est levé. وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا.
Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il s'est levé, il a parlé à Mu'adh ibn Jabal et il a dit, quel est le mal que tu as dit? C'est-à-dire ce que tu as dit est mal. Et il dit, il jure par Allah azawajal, il dit, ô prophète d'Allah, je n'ai pas connu par rapport à cette personne que du bien. Illa khayran. Et à ce moment-là, le prophète sallam n'a pas parlé, il n'a rien dit. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit comment Mu'adh ici, on voit comment Mu'adh il a défendu l'honneur de son frère devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne connaît de lui que du bien. Et il n'a pas hésité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à intervenir. Donc au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu donc ensuite de la bataille, alors à ce moment-là, comme on l'a répété, qu'est-ce que va dire et qu'est-ce que va faire Ka'b ibn Malik? Il est dans l'embarras. Zaha anni al-batil wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi shay'in fi kadhibun fa ajma'tu sidqahu. Il nous dit en fait que au moment où il va aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que al-batil, c'est-à-dire le faux et tout ce qui est en relation avec le mensonge, ça va disparaître. Il ne peut sortir de sa bouche quelque chose qui va être faux, une fausse excuse, c'est-à-dire mentir. Fi kadhib. Il dit donc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va tout simplement dire la vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Et bien sûr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du voyage, et comme c'était son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bada bil masjid fayarka'u fi rak'atan thumma jalasa linnas. C'est-à-dire que lorsqu'il est revenu, la première chose qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à la mosquée. Et ensuite, il a prié deux rak'a, et ensuite il s'est assis pour les gens, auprès des gens. Et à ce moment-là, bien sûr, les gens, ceux qui n'ont pas été au djihad, qui ne sont pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus s'excuser. Il y avait plus de 80 personnes. Plus de 80 personnes qui sont venues auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela, c'est-à-dire ce qui est en apparence. Et il a laissé ce qui est au fond d'eux à Allah azawajal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi ne connaît pas l'invisible. Et donc, il prend par rapport à ce que vont leur dire ces gens-là. Et après, ce qui est à l'intérieur d'eux, dans leur poitrine, c'est Allah azawajal. Kama qal wa wakala sara irahum ilallahi. Et donc, il est venu au prophète. Ensuite, c'est lui qui est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, inni wallahi law jalastu inda ghayrik min ahli dunya la ra'aytu an sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. C'est-à-dire qu'il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le jure, que s'il s'était assis auprès d'une autre personne que lui parmi les gens de cette vie, alors il aurait su comment sortir le mensonge. Et il aurait su comment tourner ses paroles pour dire le faux, tout en faisant croire que c'est la vérité. Et ensuite il dit, وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَ بِي عَنِّي la yushikanna Allahu an yuskhitaka 'alayya wa la in hadathtuka haditha sidqin tajidu 'alayya fi inni la arju fi 'afwa Allah la wallahi ma kana li min 'udhrin. C'est-à-dire qu'il va lui dire, je peux maintenant te dire un mensonge aujourd'hui ou une parole qui contient un mensonge et tu peux en fait être satisfait de moi et croire en ce que j'ai dit, mais j'ai bien trop peur qu'Allah azza wa jalla qu'il fasse descendre en fait sa colère par rapport à toi sur moi. Et il dit à ce moment-là, je ne dirai que la vérité. Et j'espère à partir de là qu'Allah Azza wa Jal va me pardonner. Et il lui dit, ma kana li min udhr. C'est-à-dire que je n'avais aucune excuse pour ce que j'ai fait. Ma kuntu qattun aqwa wala aysara minni hina takhallaftu ank. Où je n'ai jamais été aussi fort, que j'avais plus de facilité par rapport à ce que je possédais lorsque je ne suis pas parti avec toi pour le djihad, c'est-à-dire que je me suis détourné de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Amma hadha faqad sadaqa faqum hatta yaqdi Allahu fik. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit qu'il a dit la vérité. Hadha faqad sadaqa, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il a dit bien sûr la vérité. Il n'aurait pas pu dire autre chose par rapport à cela et qui est bien sûr une vérité. Hatta yaqdi Allahu fik, c'est-à-dire que son affaire est auprès d'Allah azza wa jalla et que c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'en remettre à Allah azza wa jalla pour en fait dire qu'est-ce qui va se passer, où quelle va être al-hukm, quelle va être la loi qui va aller à l'encontre ou qui va être en faveur de Ka'b. Et au moment où il repart donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui sont autour de lui min bani salama, ils vont lui dire, pourquoi tu as dit ça? Reviens au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui que tu avais une excuse. Pourquoi tu dis ça? Tous les gens ont fait pareil.
Il dit حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. C'est-à-dire, ils ont tellement insisté jusqu'à que j'ai eu l'intention de revenir auprès du prophète sallam et que je mente, c'est-à-dire bien sûr par rapport à moi-même. Et bien entendu, c'est une chose qu'il n'a pas fait. Et à ce moment-là, il va savoir qu'il y a deux autres personnes qui ont eu ou qui ont fait la même chose que lui et qui sont exactement dans le même cas que lui. Et c'est donc les deux autres compagnons. C'est pour ça, bien sûr, qu'ils sont trois. Muraratu ibn Rabi' al-Amri wa Hilalu ibn Umayya al-Waqifi. Donc ce sont les deux autres compagnons qui ont fait exactement la même chose. Alors qu'ils savaient que ces gens-là, Ka'b, lorsqu'il les cite, ils savaient très bien que ces gens-là faisaient partie des gens pieux et qu'ils avaient assisté à la bataille de Badr. Et que c'était des exemples. Mais qu'eux aussi, ils ont fait cette erreur. Wallahu musta'an. Et donc après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc indiquer quel est le comportement à avoir envers ces trois personnes. Et c'est bien sûr al-hijra, c'est-à-dire l'exil. C'est-à-dire que toute personne va s'exiler et vont rompre tous les liens et ne vont même plus leur adresser la parole. Ça va être en fait al-iqab. Ça va être al-iqab fi dunya. Ça va être bien sûr une sorte de châtiment qu'ils vont subir dans cette vie d'ici-bas. Il y a un châtiment bien sûr qui est, peut-être que nous on ne s'en rend pas compte, mais qui va être dur, très dur. Durant 50 jours, khamsin layla, ou durant 50 nuits, ils vont être coupés du monde. Et comme il le dit, Ka'b, comme si la terre va se rétrécir devant lui. Jusqu'à que lui-même, il sente en fait, il ressent l'étroitement. Wallah al-musta'an. Et lui, bien au contraire, c'est-à-dire au contraire des deux autres qui sont restés chez eux, les deux autres en fait sont restés chez eux, et ils pleuraient. C'est-à-dire qu'ils pleuraient sur ce qui est arrivé. Wallah al-musta'an. En regret, bien sûr. Et ça, bien sûr, Adam il a alamat al-tawba. Le regret. Et c'est ce qui va se passer également pour Ka'b. C'est-à-dire le regret. An-nadam. Par contre, lui, Ka'b, lui en fait, il continuait à marcher et à se déplacer dans la ville. Il n'est pas resté en fait chez lui, il ne s'est pas renfermé chez lui comme l'ont fait les deux autres. Et il s'apercevait que lorsqu'il disait le salam aux gens, personne ne lui donnait le salam, personne ne lui adressait la parole. Regardez un peu comment les sahaba, comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne parmi les gens. Lorsqu'il partait au souk, au marché, lorsqu'il marchait dans les rues, personne ne lui adressait la parole. Il ne rendait même pas le salam. Jusqu'à que lui-même, Ka'b, lorsqu'il priait dans la mosquée et qu'il passait devant le prophète sur salam et qu'il lui passait le salam, il disait qu'il ne savait même pas s'il avait remué ses deux lèvres. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ. Et bien sûr, lorsqu'il regardait le prophète ne le regardait pas. Et lorsqu'il commençait à prier, le prophète, à ce moment-là, il le regardait. Et on va voir que Sidq al-Sahaba, et on va voir Imtithal Amr al-Nabi, c'est-à-dire comment les compagnons, ils ont mis en application cet ordre, jusqu'à que celui qui était le plus aimé auprès de Ka'b ibn Malik, et un ami à lui, un ami très cher, et qui est en fait Abu Qatada, wa ibn Ammi, c'est-à-dire il est le fils de son oncle, wa ahabbu an-nas ilayya, c'est-à-dire qu'il était le plus grand ou la personne la plus aimée auprès de lui. Il était le voir lorsqu'il était dans son jardin. Il lui a dit, Ya Abu Qatada, nam anshuduku billahi al ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu fasakata. C'est-à-dire, je te demande par Allah Azzawajal, est-ce que tu sais que j'aime Allah Azzawajal? J'aime Allah et son prophète. Et à ce moment-là, fasakada, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas répondu. Et avant cela, lorsqu'il lui a passé le salam, il ne lui a même pas répondu, c'est-à-dire qu'il ne lui a même pas passé le salam. Subhanallah. Il a insisté, il lui a redit cela. Est-ce que tu sais que j'aime Allah et son prophète? Jusqu'à qu'il dise, faqala, Allahu wa rasulu a'lam. Fafabat aynaya wa tawallayt. C'est-à-dire jusqu'à qu'il dise, Allahu wa rasulu a'lam. Dieu et son prophète le savent mieux. À ce moment-là, bien sûr, ça va être une grande blessure pour Ka'b. Il dit jusqu'à que ses yeux sont remplis de larmes et qu'il s'en est retourné. À ce moment-là, il va avoir une fitna qui va venir pour Ka'b. Et bien sûr, Ka'b, il fait partie de Sadiqin, il fait partie
des sincères. C'est que, et regardez un peu comment les mécréants, dans ce temps-là, les polythéistes, dans ce temps-là et dans tous les temps, ils essayent de voir quelqu'un, comme on pourrait dire, une brebis à part, et essayer bien sûr de se l'accaparer. Et c'est ce que va faire en fait un des rois qui s'appelle Ghassan. Donc en fait l'histoire, ou on va dire plutôt Al-Khabar, elle a été loin, c'est-à-dire que elle a eu un écho bien plus loin, jusqu'à ce qu'un groupe de personnes parmi les Hasham, et bien sûr parmi les chrétiens, ils sont venus voir, regardez un peu, comme Ghassan Adal-Malik, Ghassan, qui faisait partie d'un des rois du Sham, il a envoyé des gens auprès de lui pour lui remettre une lettre et pour lui dire en fait que si il ne trouvait pas plus d'accueil auprès du prophète, auprès de ses compagnons, alors qu'il était le bienvenu chez lui. Regardez un peu la méthode de ces gens. Lorsqu'ils voient que quelqu'un, et lorsqu'ils sachent que quelqu'un en fait, ou qu'il y a eu en fait bien sûr dans ce cas-là un isolement. Regardez comme un peu comme ils agissent. Wallah al-musta'an. Et bien sûr, Ka'b ne va pas accepter. Abadan. Al-amr yashtad. C'est-à-dire que pour ce qui est de la situation de Ka'b, ça va devenir encore plus dur lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Ka'b qu'il s'écarte, qu'il prenne congé de sa femme. C'est-à-dire que l'exil va être même jusqu'à dans sa demeure, jusqu'à même avec sa femme. Et bien sûr, ça a été le cas pour Ka'b et le cas pour les deux autres. Sauf que, à titre d'exception, lorsque la femme de Hilal ibn Umayya, elle a su cela, elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit « Inna Hilala ibn Umayya sheikhun ba'i'un, laysa lahu khadimun. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est âgé, et qui a besoin en fait d'une personne qui vienne à son aide, ou qui lui rend service, qui soit à son service. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rakhasa, c'est-à-dire qu'il lui a donné la permission pour qu'elle reste auprès de lui, à cause bien sûr de cette excuse-là. On voit la situation, une situation qui est dure, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, une situation qui est très dure, être coupé en fait de tous les gens, être coupé en fait du monde durant une période de 50 jours, passer devant les gens qui ne répondent même pas au salam. Fayaqul Ka'b hatta kamalat lana 50 layla min hina naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kalamina. C'est-à-dire donc 50 nuits ont passé depuis le jour où le prophète sallam a interdit aux gens qu'il leur adresse la parole, à ces trois. Il dit, lorsque j'ai pris la prière du Fajr, yani salat al-subh ou salat al-fajr, subha khamsin al-layla, c'est-à-dire c'était durant le matin de la 50e nuit, ou ana ala dhahri baytin min buyutina, fa bayna ana jalisun ala al-hal allati dhakara Allah qad daqat alayya nafsi. وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوت يا كعب بن مالك أبشر قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. C'est-à-dire que après qu'il ait prié cette prière du Fajr, il a été bien sûr au-dessus de sa maison. Il s'est assis et à ce moment-là, il dit التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض. C'est-à-dire que tout est devenu étroit, que ce soit moi-même, que ce soit la terre, tout est devenu étroit. Allah al-musta'an. Bima rahubat. Et à ce moment-là, il a entendu une voix d'une personne qui lui a dit Ya Ka'b ibn Malik Abshir, c'est-à-dire qu'il lui fait la bonne annonce. Et à ce moment-là, il est sorti et il a su à ce moment-là bien sûr que c'était le Faraj et qu'Allah Azzawajal leur avait donné une issue. À ce moment-là, lorsque les gens ils ont su, regardez un petit peu bien sûr la fraternité, lorsque les gens ils ont su cela, ils sont tous venus auprès de Ka'b et ils l'ont salué. Et ils étaient tous heureux pour lui. C'est-à-dire Tabshir, tous lui ont fait une bonne annonce. Yani, ils étaient heureux que Allah Azzawajal a accepté leur repentir et qu'Allah Azzawajal leur a pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans la mosquée. دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله. C'est-à-dire que Talha ibn Ubayd Allah, lorsqu'il a vu, au moment où il est entré dans la mosquée, lui il s'est levé et il était en son encontre et il lui a serré la main
et il lui a fait bien sûr la bonne annonce et il a partagé avec lui bien sûr sa joie. Il dit bien sûr que c'est le seul parmi les muhajirins qui s'est levé à ce moment-là. Il dit Ka'b qui n'oubliera jamais cela, c'est-à-dire cette prise de position de Talha ce jour-là. Il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit c'est-à-dire tellement qu'il était content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il ressort de ça son visage de la lumière, cette lumière en fait de la joie. Tellement il était content le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Ka'b. Abshir, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire bonne annonce t'es faite depuis que tu es né, c'est-à-dire il n'y a pas un jour meilleur pour toi depuis que ta mère t'a mis au monde. Ce jour-là, le jour du repentir, le jour où Allah Azzawajal a pardonné et a accepté le repentir de ces gens-là, c'est-à-dire des trois. Et ensuite il dit ya Rasulullah inna Allah inna ma najjani bis-sidq. Donc on va voir ici as-sidq, parce que également la leçon principale de cette histoire c'est as-sidq, c'est la sincérité que la personne doit avoir envers Allah Azzawajal et son prophète. Il dit inna Allah inna ma najjani bis-sidq, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il m'a sauvé de par ma sincérité. Donc regardez, malgré 50 jours, regardez 50 jours qui sont passés, 50 nuits qui sont passées, et qu'il a été coupé du monde, Ka'b. Et ça, c'est une grande épreuve. Regardez à la fin, qu'Allah Azzawajal fait descendre, avec Bouchra Ardim, Allah Azzawajal fait descendre un verset pour toi, et pour bien sûr les deux autres. Comme quoi, il a accepté ton repentir. Et il t'a pardonné. C'est une récompense énorme de la part d'Allah Azzawajal. Et c'est la récompense de ça. De quoi ? De sa sincérité. C'est-à-dire, parmi ma tauba, c'est que je ne parle plus ou que je ne dise que la vérité, que la sincérité, que la véracité, ma baqit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie, tant que je serai vivant. Donc on voit, dans cette histoire qui est arrivée à Ka'b ibn Malik et les deux autres compagnons, on voit en fait cette, on voit en fait la sincérité et on voit en fait quel est le résultat de cette sincérité. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin » Et bien sûr, le shir, il nous rappelle le verset qui était descendu sur eux « Wa ala thalathati alladhina khullifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilay thumma taba alayhim liyatubu » Inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Et ça c'est le verset 118 de sourate At-Tawbah. Verset 118 de sourate At-Tawbah. Ils accueillent le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis ils agréaient leur repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux, subhanallah. Nassal Allah Azza wa Jal an yaj'alana min as-sadiqin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.